Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième procès et peut-être le dernier sur Phoenix Wright et Saturday Justice for All. La dernière fois, après quelques défaites sur des combats psychiques, nous en avons appris un peu plus sur la sœur de Inès Sparaï, sur l'alibi de Pearls. Et aujourd'hui, le dénouement final. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi de pourquoi Perse ne doit pas assister au procès, simplement parce que nous pensons tous que c'est Morgan Fay la coupable, avec l'aide d'Inès, pareil. Non. Désespéré. Je sais plus. Bref, de l'autre cruche. D'accord. Oh, zut alors. Super. Eh oui. Oh, excuse-moi. Ton père, lui, disait qu'il n'était pas célèbre. Il était juste reconnu à sa juste valeur. Ok, faisons un pari. Si je gagne, eh ben je gagne. Non. Ce sera sur moi parce que je t'aurais battu. Ah, tu l'as dit. Oui, tu m'expliques comment, d'ailleurs, s'il te plaît. C'est la clé de cette affaire. Commençons les blagues de merde maintenant. Ah, je suis malade. Du coup, je vais peut-être couper les moments où je vais tousser. Ou pas. Ah ouais. Ah ouais. Ça veut dire que Morgan se range du côté le plus fort. Arrête de boire ton p*** de thé! Médium n'est pas un... Si, on peut dire que c'est une profession, mais pas un métier. Bah si. Et 12 personnes qui composent la salle, t'en fais quoi si ils se posent des questions? Impoli de sa part. Tellement impoli. Attendez une seconde. Moi, elle me disait qu'il s'était rien passé. Ouais. Oui, je te crois. Alors, je sais pas si c'est mon PC ou pas, mais elle doit avoir une tache. Un grain de beauté sous l'œil gauche, sur le côté. Je crois que c'est mon écran qui doit être sale. Oui, plante-toi.
c'est un magnifique image. Un magnifique image. Ouh, c'est super ça. Une magnifique image. Eh ben c'est le cas. Eh ben c'est bien. Oui, d'accord, si tu veux. Nom de Dieu. Madre de Dios, Santa Maria, appelez pour moi. Est-ce que je viens de remarquer à l'instant que je garde la même barre verte depuis le début? Ce jeu est extrêmement dur. Après tout, pourquoi pas? L'étrangère, oui. Ouh, c'est méchant. Ah, oui. Oui, d'accord. Merci. C'est sympathique de votre part. Ah ah, on est deux d'accord. Il faut insister. Oui. Ceci cache quelque chose. Oh, c'est pas bien. Objection. Non, pas d'accord. Objection de l'objection, s'il vous plaît. Je poursuis. Ça semble important. Ah non, je le savais, tu vois les trois petits points de suspension. Et ben ça veut dire que non, tu vas prendre un coup de fouet. Oh. Oui. Non, objection de l'objection, encore une fois. Je sais pas parce que je vais prendre un exemple, je vais faire une parenthèse de 5 minutes.
Dans Dragon Ball, un membre du Konno Ginnoué prend le corps de Sangoku. Cependant, la puissance qu'il obtient est différente parce qu'il ne maîtrise pas son corps. Donc techniquement, si cette règle s'applique à maintenant, je dirais que elle aurait quand même pu essayer de faire quelque chose. Voilà, c'était une anecdote inutile. Continuez, intéressant tout cela. Je peux rien faire. Pour l'instant, je ne peux rien faire. C'est lourd. Je me sens désemparé. Et attends, je fais quoi? Bah je poursuis. J'ai que ça à faire. Ah tiens, oui. Cette possibilité ne m'était pas venue à l'esprit. Ah. Bon. Bonne question. Merci de le poser. Ça veut dire que tu as la réponse. J'aime pas ça. Ah oh. What? 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 Ah, merde. Est-ce que je peux changer de témoin, s'il vous plaît? J'aime pas ce personnage. Oui. Une merde sans fin. Ah non, elle a retourné en mode. Ah, je suis trop conne. Tu prends un coup de fraise, tu continues. Tu vas te prendre un coup de fouet. Ah non. Ouais, en fait, tu flippes. Votre honneur, vous flippez sévère, c'est ça. Alors, vas-y. Fais-nous une déposition de faux. Oui. Oui. Quoi ?
Attention. Musique triste. Ce n'était pas un accident. Je peux pas faire de voix féminine parce que j'ai mal à la gorge. J'étais drogué avec des somnifères. J'étais assassiné par cette personne. Ouais, donc tu leur passes en fait l'intro du début. C'est ça, je... Tu peux le dire. On réutilise environ 2 minutes de cinématique. Voilà pourquoi je me suis vengé. Tout ça est un peu soudain. N'est-ce pas, Inès? J'ai pas du tout compris pourquoi elle a dit ça. Mais elle l'a dit, c'est sûr, elle s'est vengée. Vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Ah oui, mais non, je devais arrêter de parler là, c'est pas moi qui parle. Non, je suis pas satisfait. Je demande un contre-interrogatoire. C'est très con même. Non, je demande. Elle m'écoutait. Wesh, je te cause. Non, vous avez mis une pièce de puzzle dans le mauvais sens. C'est un témoignage. Était-il l'invention pure? Un mensonge? Ah, c'est vrai que tu es dans les pensées, toi. Oh ben je t'en prie. Je suis là pour le spectacle. Amuser le peuple. Voilà, je ne peux rien faire. Je peux juste attaquer et je pourrais trouver un truc bizarre, ésotérique et étrange qu'ils disent. Et trouver la preuve. Voilà. J'ai pas compris. Quoi? Interdire les graines de sésame? En quoi c'est mal? Ouais, parce que je m'en fous de savoir alors qu'il est actuellement là. Oui, c'est vrai. Je m'en excuse. Quand je disais que Alzheimer, c'était grave. Elle est morte, ta sœur. Mais genre, mort de type décès. Oui, je sais, cette phrase est utilisée par plein de gens. Je crois. Non, là. C'est ta sœur, oui ou non, merde. What? Je m'appelle Blatt. D'abord. C'est un peu normal, elle est morte. Quand est-ce que tu comprends que mort, ça veut dire ne plus jamais revoir personne? Oui, ça se comprend. Exactement. Oui mais Phoenix, tu sais, la surprise pour elle, c'est... Ça n'existe pas. Enfin, pas maintenant.
je poursuis parce que j'ai rien d'autre à faire. Un mort qui... Comment ça se fait que ton lasso est aussi long? Je la harcèle pas. Je lui pose des questions. Oui, c'est ça. Un peu. Moi, je dis, c'est important. La musique, elle me dit qu'elle s'en fout. Oh, changer de témoignage. C'est-à-dire, son costume est normal, c'était... Je pense que tu voyais plus ta soeur avec un costume d'infirmière, mais pas avec un costume... Oh! À l'instant. Je pense avoir trouvé la preuve. Non? Ah! Je ne te crois pas. Ah ah! Oui, c'est impossible. Oui, il continue. Quelque chose n'a pas. Elle a dit un truc. Elle a dit quelque chose, oui. Oui, mais voilà. Je suis comme toi, je suis un Alzheimer. Elle va arrêter tout de suite. Je lui colle un pain. Je lui demande pas. Et on va prendre tout notre temps. On va bien mettre 3 heures. Et on va prendre notre temps. Tranquille. Alors, non. Ah, merde. Ah, je suis allé trop vite. Ah, je suis trop vite. Merde. Non, attention. Je vais présenter. Attention. Objection. Et c'est ça. Ah mais applaudissez-moi! Ah, je suis trop swag! Ah, je suis trop bon! Ah, comment je savais depuis le début! La logique! Il est impossible que ce costume ne l'ait pas frôlé parce que ce costume, tu vois, eh ben, elle était couverte de sang. Et normalement, ça aurait dû faire flipper quelqu'un, mais elle s'en fout parce que c'était un mensonge! C'était l'instant Ace Ventura. Ouah, je t'en prie, t'es morte. Donc si je les vole, y a plus le copyright. Hein, d'abord. Plein de sang sur ses vêtements. Ben voilà. Bah oui, normal. Qui n'a jamais peur du sang? Enfin, de voir le sang de manière impromptue. Oh yeah. Ça veut dire qu'elle s'est foutue de ma gueule. Putain, j'aime pas quand il y a des portes qui claquent chez moi. Oula. Elle a fait une tête, ça m'a fait peur. Ça m'a fait très très peur. Ouais, ça fait peur.
Je suis sûr que t'avais ouvert les yeux. Je suis sûr que tu les as ouverts. J'en suis même plus que sûr. Après les meurtres, une deuxième partie. Ouais, d'accord. Quoi? Je sais pas, what? D'accord. Admettons, l'annexe était sombre. Oula. Et elle t'a appelé grand-père. Admettons. Ce n'était pas un truc à faire. De quoi elle t'a parlé? De quoi elle t'a parlé? Non, c'est pas du tout mon écran qui est sale, un grain de beauté. Ouh. Je vais prendre le temps de m'inspirer de la musique afin de réfléchir un petit peu. Voilà. J'étais en train de me reposer 10 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, 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 oh. Ça alors, c'est elle qui me dit ça, mais elle va crever. Mais elle va mourir de façon... de tout de suite même. Elle m'a insulté, l'insecte. Eh mais elle va tellement prendre cher dans ses dents. D'accord, admettons. Je pense que si on mettait du rouge, des taches de rouge sur du violet dans le noir, avec très peu de lumière, ça ne se verrait pas. Ah. Ah. Yes. D'accord. Admettons la surprise à jouer sur son comportement. Admettons. T'as pas loupé un bout de passage? Ouais. Oula. Oula, le jeu rame un petit peu, désolé. Elle vient de ramer actuellement pour moi. Oh. Ha. 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 Je rigole. Salaud. Oui, j'ai une question. Ouais, genre, est-ce que tu avais un cerveau et une mémoire? Oula, attention. Concentration. Faut que je me concentre. Dans l'annexe, non. En allant sur le lieu du crime, pourquoi pas? En arrivant sur le lieu du crime, dans l'annexe, ça doit être un piège. Je pense, en allant sur le lieu du crime. Et caca, zut. J'insiste un petit peu, on sait jamais. Parce que j'ai que ça à faire, merci de l'avoir dit. Bon, bah tant pis. Non mais c'est mort, Phoenix. Arrête tout de suite, arrête tout de suite, arrête tout de suite. Je vais avoir très très mal sinon. Prise de risque.
prise de risque inconsidérée. Ouh, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Ah, ah, je le savais. C'est un troll, c'est ça? Je vais essayer quelque chose d'autre. Je vais essayer quelque chose d'autre. Bon d'accord, si c'est pas dans la chambre de Shani. Bon là je vais passer tout le dialogue. C'était pas le mot. Ah c'était bon. Piffé. Objection. Sérieux? Oh putain, je suis trop fort. Oh putain. Ah mais c'est énorme. Oh je m'étonne moi-même. En plus c'était une petite idée que j'avais. Oh la vache. Oh. Oh la vache, oh cette réflexion de fou. Voilà. Ah oh, je suis... Ah mais je peux pas décrire ça. C'est incroyable, c'est du piffage absolu. Depuis quasiment le début je piffe. Sauf quand j'ai une petite idée. Mais ça c'était du piffage extrême. What? Qu'est-ce qu'il vient de faire avec son chapeau? Ah mais ouais! Ah mais si! J'objectionne! J'aurais mal à le dire. Ça y est. On va marquer perdre parce que... attention. Son ballon parce que l'urne. Yes. Oh oui. Oh oui. Oh c'est beau. Oh la jouissance. Oh cette jouissance de fou. Excuse-moi, j'ai juste éternué. C'est coupé au montage de toute façon. Oh yeah! Mets-moi une petite musique géniale. S'il te plaît, mets-moi une musique géniale. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, alors. Alors, qu'as-tu à dire? Oh gnigne. Vous êtes une menteuse. Pathologique, j'aurais pas dit ça. Ah si. Ah si. Montre-nous ton vrai visage, s'il te plaît. Francisca, tu fermes ta gueule. Non, elle ment, elle ment, elle ment. Tu te fous de moi? Non mais t'es vraiment dans un ex? Oh putain, question piège. Réfléchissons. C'est impossible! Je sais où tu te trouvais, tu étais dans un ex, mais tu ne dormais pas. Oh merde. Attention.
Qu'est-ce que j'ai dans la pièce à conviction? Faut que je réfléchisse. Laissez-moi réfléchir. Mia à l'aide. Oh merde. Je pense que je vais perdre des points là. Ouais. Je réfléchis un instant. Ouais, vas-y aide-moi parce que... Oh, j'aurais dû m'en douter. C'est bon. Bla bla bla. Dans son dernier témoignage. Elle a fait son vrai visage. Vous l'avez tous vu. Alors, excuse-moi, Phoenix, mais j'ai du mal à te suivre. Non, je comprends toujours pas. Va falloir que je comprenne là parce que j'étais fier et là je comprends plus rien. Ah non, plus rien. Le témoin. Ah elle, d'accord. Je t'emmerde. Justement, si je pose des questions sur l'intérieur des fumeuses, c'est pour qu'elles prennent une apparence solide. J'adore les interventions extérieures quand j'enregistre un truc. C'est incroyable. Du coup, j'ai perdu l'action. Ah oui, c'est vrai. Phase de réflexion. Voilà ce que j'ai à dire. Ah merde. Ah putain mais non. Putain. Non, je me suis trompé. Bon tant pis. C'est bon, calme-toi le juge. Je me suis trompé d'endroit. Chambre de channeling, voilà. Pas la salle de méditation. Donc, ici. Voilà, c'est bon. Oui, ça paraît un peu dur à comprendre, mais c'est là. C'est ça. Oui, c'est assez dur à concevoir. Alors, à cela, j'ai trouvé quelque chose. Voilà, elle se cachait. Oui, tu te cachais. Ne fais pas l'innocente. Ne fais pas l'innocente, s'il te plaît, jeune fille. Alors, attendez, faut que je me replace ça. Ici. Oui, tout à fait. Elle a fait son vrai visage.
Alors, excusez-moi de vous déranger, mais alors dans ce cas, j'aimerais que vous m'expliquiez. Attends, elle est où cette preuve? Putain, elle est où cette preuve? Tant pis. Bon, tant pis. La clé de ceci. Un paravent! Non, je rigole. Attendez. Olé! Applaudissez-moi! Oh oui, la musique! Ah, je profite, là, je profite. Laissez-moi profiter. Oh, c'est tellement beau! Oh oui, j'aime ça! Mmh, je me douche dedans! Mmh. Oh, ça fait tellement de bien! Allez, dans ton cul! Voilà! Ah, tu demanderas ça à madame, cause des soucis. Eh oui. Je t'emmerde. C'est faux. C'est totalement faux. C'est faux. Oui. M'excuse. Je te demande juste quelques secondes. Pas ça. M'en fous. Pas ça. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Mmh. Ah, cette photo est très mal prise. Voilà. Voilà. Je peux pas. Je vais pas bluffer. Quoi? Ah merde. C'est bon. Je me suis. Ah merde. Oh. Oula. Ouh, excusez-moi. Si c'est le paravent, je me suicide. Ah, il l'a remarqué. Oh yeah. Je me touche dans la musique. I like it. Allez, souvenir, souvenir. Exactement, putain, c'est incroyable. Y'a pas de grrr qui tienne. Oh yeah. Pétage de câble. Pète ton câble. Silence. Non. Tu vas laisser. C'est quoi cette photo? Oui, c'est ça. Tu es très forte. C'est incroyable. Oh, tellement de rebondissements. Par contre, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai une, je vais faire un petit truc IRL. J'en ai juste pour deux petites minutes. Je suis désolé si je coupe l'action ici. Mais je vous retrouve dans quelques secondes. De retour, désolé pour ce petit moment d'absence. Enfin, pour vous, ça aura duré quelques... même pas une seconde. Donc, alors, attendez, oui. Voilà, c'est ça. Et ouais. Et non, j'arrêterai pas. Parce que tu as peur de perdre. Admets-le. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu veux une preuve? C'est exact.
Et si il y avait un complice, et ce complice, c'était Morgan Fay. Prends ça. Charmante est un bien grand mot, mon petit. Alors, vas-y. Vas-y, dis-moi le contraire. Ça y est, elle a craqué. Ce qu'il s'est réellement passé. Et là, je parle avec Felix Wright. La meurtrière s'était introduite sur le lieu du crime bien avant les faits. Avec son costume de médium et sa perruque, elle s'est fait passer pour l'accusée. Et le channeling a commencé. L'assassin s'est faufilé en silence vers les deux autres qui fermaient les yeux. Elle a commencé par droguer Maya avec une bonne dose de somnifère. Il y a un S à somnifère. Puis elle a poignardé le docteur à forme avec le couteau. Ensuite, elle a caché ma cliente dans le coffre à vêtements. Elle l'a fait pour prendre la place de Maya et lui mettre le meurtre sur le dos. Et c'est la deuxième fois que l'on m'interrompt, ou plus, je ne sais plus, je ne compte plus. Bref, c'est passé quelque chose d'inattendu. Effectivement, j'aurais été là. Oui. Le docteur Informe n'est pas mort sur le coup. Il a fait feu sur son assaillant. C'est pourquoi le trou dans le paravent est aussi près du sol. L'assassin s'est alors emparé du revolver du docteur Informe et l'a tué. Enfin, et vous et l'autre fille ont fait le son de la pièce. Exactement. Il est vrai qu'on ne s'attendait pas à des coups de feu dans un endroit pareil. C'est pourquoi nous avons immédiatement foncé la porte de la chambre. Une faute, Madame Spéret, enfin Mademoiselle Spéret, s'est vite tachée de sang. Et a prétendu être Maya Fay. C'est précisément pourquoi, c'est précisément la raison qui a poussé Morgan Fay à nous faire beaucoup pire. Vous connaissez maintenant les vraies circonstances du meurtre. Elle est coupable. Et tu as perdu, Van Karma. Pardon, qui rigole dans cette assemblée? Qui se dénonce? Je t'emmerde. Et très bien ma théorie, j'ai des preuves. Pardon. Ah ouais? Où? Ah ah. Ah ah! Si tu en as un. Le mobile. Facile! Alors attention, alors il faut pas que je me trompe. Non. Alors attendez. Voilà. Je teste.
Eh bah merde. Bon, c'est pas ça déjà. Bah, ouais, ça me semble logique. Putain, ce manque de respect. Eh merde. Caca. Mute, mute, pute. Laisse-moi parler. Merde. Pas content. Pas de faux. Arrêtez de me poser des questions trop dures. Bon, et si là, si le scénario est comme je le pense, Mia va m'aider. Peut-être. Bon, bah, zut. Ah, oh, j'adore ce retour sur l'honneur stick. J'ai gagné. On n'est pas... Bon. Je dis qu'on est... Elle est sympa. Oh, c'est méchant. Yes. Mais quelle est la raison? Quel stratagème a-t-elle employé? Vous le saurez la prochaine fois. Un petit épisode tranquille qui aura duré presque une heure. Ouais, j'adore faire des épisodes d'une heure, ça me relaxe. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce procès jusqu'au bout, qui est palpitant d'ailleurs. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à commenter la vidéo si vous avez des suggestions ou partager votre expérience de jeu. De me suivre sur Twitter @Zraeus1, de vous abonner à la chaîne. Bon jeu et à la prochaine.